Je suis Delphine Rouillot, la directrice générale de France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, c'est une association qui existe depuis 50 ans et qui accompagne des demandeurs d'asile, des réfugiés, des mineurs isolés dans leur parcours d'intégration sur le territoire français. En fait, la mission Afghanistan a démarré le week-end de la chute de Kaboul quand la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés nous a appelés pour nous prévenir que les opérations d'accueil allaient devoir reprendre très rapidement. Et ça nous a poussé, nous, associations, à essayer de mobiliser très rapidement les structures d'hébergement, des hôtels, en fait, pour être en capacité, dès que les vols pouvaient quitter l'aéroport de Kaboul, d'accueillir les premières personnes qui ont été évacuées. Et donc, Kaboul est tombé le dimanche et je crois que les premières personnes sont arrivées le mercredi soir. Et donc, dès le mercredi, on avait monté un grand dispositif d'accueil, c'est-à-dire on avait mobilisé à la fois ces chambres d'hôtel, des vêtements, des produits pour les bébés. On avait essayé d'anticiper tout ce dont les personnes qui avaient tout laissé en Afghanistan en quittant de manière évidemment hyper précipitée leur maison, tout organisé pour pouvoir les accueillir le moins mal possible. Ça a été une mission d'urgence comme on sait les faire, comme c'est un peu dans notre ADN en fait, hein, de construire des missions comme ça. Maintenant, évidemment, ça a été une surmobilisation, beaucoup d'investissements, beaucoup de nuits blanches, de nuits passées à l'aéroport, de nuits passées ensuite dans les hôtels, avec des équipes de France Terre d'Asile que je dois saluer et remercier parce qu'elles ont été d'une loyauté, d'un investissement, d'un dévouement assez incroyable. Donc durant toute cette mission, les associations comme France Terre d'Asile, toutes les associations qui ont accueilli des réfugiés afghans, elles étaient en lien quotidien avec les services de l'État pour leur exposer leurs difficultés, obtenir de l'aide, des consignes aussi. Donc la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, elle jouait ce rôle de coordination de tous les acteurs en charge de l'accueil. Toutes les personnes, quand elles sont arrivées d'Afghanistan, elles n'avaient qu'une idée en tête, c'était de rapatrier leur famille, de faire venir leurs proches le plus rapidement possible. Et bien évidemment, tout ça n'était pas possible, ou en tout cas pas possible pour la plupart des gens. Et donc notre plus grande difficulté, ça a été fait d'accompagner au quotidien des personnes qui avaient les pieds en France, mais encore la tête à Kaboul, et de leur faire progressivement prendre conscience du fait que si la France les accueillait aujourd'hui, c'était pour les aider à se reconstruire dans la durée sur le territoire. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour les aider au mieux et on a juste essayé progressivement de créer un cadre qui soit le plus chaleureux possible. On a organisé des concerts sur place, on a fait venir une super association qui s'appelle le Refugee Food qui livrait des repas afghans tous les soirs pour essayer quand même que le choc culturel ne soit pas en plus doublé d'une impossibilité, notamment pour les enfants, de manger parce que les habitudes culinaires ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, on a fait venir Bibliothèque sans frontières qui a distribué des bouquins. Enfin, on a essayé du mieux qu'on pouvait de créer un cadre un petit peu chaleureux pour adoucir les peines.